Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui nous parlons d'harcèlement scolaire. Waouh, super le sujet. Il faut bien en rire un peu. Alors vous êtes beaucoup à me contacter, donc forcément ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est que donc vous êtes de la génération Z, ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Génération Y aussi, ma génération Y c'est la mienne. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision de chacune et de chacun. Donc vous me contactez pour que je vous aide directement. Alors ce que je vous dis quand vous faites harceler, vous dites je connais Jordan Mouroux-Larronde, objectif premier youtubeur de France 2026. Comme ça peut calmer les autres, tu vois. Parce que moi je vais leur répondre. Ils me contactent sur mes réseaux et je leur réponds. Voilà. Vous pouvez essayer le service, hein. Il est gratuit. Vous venez en message privé sur TikTok, YouTube, Instagram, vous allez voir l'accueil que je vais leur donner. Voilà, mais c'est un accueil à la Jordan. Hein. Donc harcèlement scolaire, alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors j'entendais, donc c'est beaucoup d'actualité là en 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Et donc il y a une conseillère principale d'éducation dans un collège CPE, donc qui disait comment faire. Alors il n'y a pas de solution miracle, hein. C'est comme l'immigration, ceux qui sont contre ils disent il faut mettre des murs partout. Bah tu as beau mettre des murs partout, ils passeront quand même, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais des murs quelque part, c'est pour enlever du sable ailleurs, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils pourront passer ailleurs quand même. Bon, c'est une image, hein. Mais sur le harcèlement scolaire, ouais, il n'y a pas de solution miracle. La seule, elle reste humaine, c'est celle de parler. Alors le CPE, du coup, il convoque celui qui harcelé, bien sûr, et celui qui harcèle, bien évidemment, la tour de rôle. Et ensuite, elle essaie de comprendre la psychologie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans l'histoire, parce que quand tu harcèles, finalement, tu es en position de soumission. Ça, bon, peu de gens le savent, mais c'est le cas. Voilà. Et donc, cette fameuse CPE, elle cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête. Est-ce que l'harceleur, il reconnaît cet état de... Est-ce qu'il reconnaît le fait qu'il harcèle la personne? Si c'est oui, bah, c'est bien, c'est qu'il y a des choses à faire. Si c'est non, bah, c'est un peu plus compliqué. Alors, les solutions maintenant qui sont envisagées, c'est les changements d'établissement. C'est-à-dire qu'avant, c'était les personnes qui étaient harcelées qui changeaient d'établissement. En gros, tu es victime plus tu es victime une deuxième fois. Et là, c'est les personnes qui harcèlent qui changent d'établissement carrément. Je trouve ça que c'est une bonne chose. Après, comme tout système, il a ses limites puisqu'on peut retrouver un harceleur du collège X. Il va se retrouver dans le collège Y et vice versa. Du collège Y au collège X, ça va faire juste un mélange. Mais c'est pas mal de casser la roue, je pense. C'est pas mal de casser la roue. Voilà, première chose. Ensuite, que faire concrètement? Moi, je pense que... alors, je vais vous donner mon expérience. Quand j'étais au lycée, j'en rigole maintenant, mais bon, j'en rigolais aussi à l'époque. Oui, je vous conseille... Alors, c'est pas d'en rire. C'est pas de rire d'être harcelé, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est de jouer, entre parenthèses, avec les harceleurs. Parce que les harceleurs sont en position de soumission, vous vous rappelez, je viens de vous le dire. Donc, c'est vous qui maîtrisez la situation, finalement. C'est vous qui choisissez de répondre à la situation, je m'explique. Par exemple, un soir, j'étais en train de dormir, ou presque, et donc j'entendais qu'ils mettaient du scotch autour de mon lit, tu vois, mais ils ont fait des tours, hein. Ouh là là, je sais pas combien de tours, mais tu sais, t'entendais bien le cric, cric, pas du tout discret. Donc déjà, harceleur égale soumission, t'as compris, c'est pas discret ce que tu fais, voilà. Et je me suis levé, j'ai fait ouais, comme ça, et je vous jure, mais ils ont vraiment eu peur, quoi. Donc ça veut bien dire ce que je suis en train de... Ça confirme ce que je viens de vous dire deux fois. Les harceleurs sont dominés, en fait. Voilà, donc après, c'est une manière de voir les choses. Je sais que quelquefois, ça va très très loin. Après, idéalement, taper à la source, comme on dit. Dès que ça commence, vous dites stop. Ou ciao, tu n'es plus mon ami, voilà. Voilà, il faut prendre des décisions, en fait. N'ayez pas peur de quitter un environnement. Par exemple, si vous avez un groupe d'amis qui aime Pokémon, je donne un exemple au hasard, hein, si t'es plus âgé, respecte l'exemple. Donc si t'es dans un groupe qui aime Pokémon et l'autre qui aime bien Yu-Gi-Oh, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi, il va falloir, si dans Pokémon ils te cassent tous les pieds, bah tu vas chez Yu-Gi-Oh, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est pour expliquer la situation. Alors ensuite, je vais vous donner un autre exemple. Bon, je pense que cela va vous faire rire.
Je vais vous expliquer voilà, mon ressenti. Donc une nuit, ils se sont amusés à dessiner, voilà, sur mon visage. C'était tout noir, quoi. Et ça représentait des images, voilà, des images sexuelles, on va dire. Et je me suis levé la nuit. Je sais pas pourquoi. Cette nuit-là, j'ai eu la chance de me lever, comme on dit. Et je sentais des picotements au niveau du visage. Et c'était du marqueur. Parce qu'en fait, voilà, je le dis maintenant, mais j'ai jamais osé le dire. En fait, je mettais du maquillage quand j'étais jeune pour cacher mes rougeurs. J'avais des rougeurs diffuses de la coupe rose. Alors, ce qui est bien, plus je parle de ça, plus je me sens à l'aise. Plus je me sens à l'aise, en fait. C'est ça qui est génial. Et je veux remercier les réseaux sociaux pour ça, parce que vous voyez, tout est possible. Moi, ancien timide maladif qui n'ose même pas lever la main en cours, voilà, tout a commencé par un rêve. Quand je dis premier youtubeur de France 2026, ça commence par un rêve. J'ai levé la main en cours, ça commence par un rêve. J'ai dit, ça suffit, c'est terminé. Est-ce que... je vais vous donner une image sympathique. C'est comme un éléphant, tu vois. Un éléphant, il se dit, ah, je n'ai pas le choix, je n'ai pas de rêve, rien n'est possible. Imaginez un éléphant qui a une chaîne autour d'une patte. Donc cette chaîne est reliée à, voilà, à un piquet. Et vous savez, l'éléphant, il a tellement de force, mais il n'en est pas conscient. Et le jour où il commence à faire un pas, clac, il se rend compte qu'il pète la chaîne en levant sa patte ou en bougeant un tout petit peu sa patte. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, alors je vais être assez difficile, mais finalement l'état, quand tu es harcelé, finalement c'est un état où tu acceptes d'être harcelé. Et je répète que le harceleur est soumis. Donc tu vois, c'est l'état de deux personnes qui souffrent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc soyez des leaders, chers amis, nous sommes au feu rouge. Hein. Soyez des leaders et vive la vie, vivons heureux et passionnés à vie, comme je le dis souvent. Alors aujourd'hui, chers amis, nous sommes au moment où je tourne cette vidéo, le mardi 10 octobre 2023. Alors, donc nous sommes 56 000 sur TikTok et je vous en remercie. Objectif de cette semaine, 60 000, je sais c'est beaucoup. Mais ça y est, le début de l'effet boule de neige est là. Donc il y a beaucoup, alors je parlais du mental sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a plein qui me disent je voudrais percer, vous venez me voir, en gros vous dites Jordan fais une pub sur moi et je vais percer. Non non, ça marche pas comme ça, même si je te fais une pub, je te jure. En fait il faut que vous proposiez aux gens du contenu. Vous voyez, moi c'est du contenu authentique. Après la qualité de montage etc, elle est peut-être pas là. Il y en a qui vous diraient c'est dégueulasse, c'est moche. Et alors, il y en a d'autres qui proposent de la qualité, allez les voir. Ce sont mes amis aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on revient sur l'authenticité sur les réseaux sociaux. Ouf, on en a besoin. Voilà, voilà. Et ne lâchez jamais, les amis. Et vous croyez que vous allez percer en une vidéo ou en une pub, tu vois? C'est pas sérieux. Après, ce qui serait inquiétant, justement, c'est de savoir que vous êtes relié à moi. Par exemple, je vous fais une publicité et vous percez grâce à cette pub. En gros... Alors, moi je suis content parce que vous êtes percé entre parenthèses grâce à moi, mais c'est pas sérieux parce que vous serez relié à moi toute votre vie indirectement, même directement. C'est-à-dire, vous allez dire ah oui, j'ai percé grâce à Jordan Mouroux-Laronde, mais c'est vous qui percez, c'est pas moi, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que je veux vous dire en fait. Alors que vous, même si vous avez zéro follower, faites vos vidéos, soyez passionnés. Il faut que vous ayez un rêve grand quand même parce que les gens ont besoin de rêver donc en France et dans le monde. Nous sommes en train de vivre plusieurs guerres là, dont une en Israël. Bon, ça continue, ils nous cassent les pieds, mais bon. Ils nous cassent les pieds, bref. Je suis pour qu'il n'y ait plus de guerre sur le monde, ça suffit. Bref, on sait, bisounours, je sais, mais c'est possible. Hein. Il suffit de parler, d'apprendre à parler et la solution idéale n'existe pas. Allez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour terminer? Donc, il fait super beau aujourd'hui. Nous sommes au mois d'octobre, c'est vrai que c'est inquiétant quand même, d'une certaine façon, parce que, bon, il fait froid le matin, il fait froid le soir, mais il fait très chaud, là. Je sais pas si tu vois, je pense que je suis rouge, là, pour le coup, parce que je ferme les vitres pour la vidéo. Mais, ouais, il fait très chaud, ouais, pour la saison. Bon, après, c'est vrai, on n'est jamais content. Bon, moi, je suis toujours content, pour le coup, bon, bah, tant mieux. Moi qui aime bien être en short et en t-shirt, dès que c'est possible, et ben, là, c'est possible. Voilà, les amis, à nouveau... Merci pour votre fidélité et votre patience si vous êtes encore là. Donc aidez-moi à atteindre mon objectif, premier youtubeur de France 2026.
au 31 décembre 2026. Voilà, tout est possible vraiment quand on s'en donne les moyens. Et il faut savoir respecter les étapes, chers amis. Voilà, c'est comme... voilà, quand tu as zéro, tu respectes le fait que tu es zéro personne. Après un follower, 2, 3, 4. Voilà, il faut respecter les étapes. Et croyez-moi, quand tu respectes les étapes, tout va bien. Et quand tu chéris chaque étape, quand tu caresses chaque étape, eh ben, tu arrives forcément où tu veux aller. Parce que, voilà, c'est un peu un tremplin. C'est un peu un tremplin, en fait. On te teste. Est-ce qu'au niveau zéro, tu es capable? Si tu n'es pas capable d'offrir une belle vidéo et du bon contenu à un follower, pose-toi la question sérieusement, pourquoi il y en aurait deux et trois? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, retournez bien la question, c'est ça qui est important. C'est pas les autres ne me regardent pas, c'est toi, est-ce que tu produis du bon contenu? Bon contenu, tout est relatif. La preuve, hein, je vous l'ai dit, hein, moi je suis sur l'authenticité, pas forcément sur la qualité, en tout cas pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Après, il y aura des montages et tout. D'ailleurs, ça devrait... c'est peut-être un peu dommage. On va perdre en authenticité au fur et à mesure du temps. En tout cas, j'espère pas. Mais voilà, le fait de couper des vidéos comme ça, de faire genre que tout est magnifique, je sais pas, je crois pas à ça, en fait, en MDV. Voilà, bon, bref, chacun son avis sur la question. Mais voilà, vivons authentique, heureux et passionné, je le répète. Merci du fond du cœur et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup.